dossier drogue. Comment tu as tout drogue dans le port de drogue la torture. La gabière matinée. Tu n'as pas ici. Comment tu as ça? Je suis bagadomi. Bagadomi, soit papa. Moun bon de paix a brûlé moi. Et question drogue. D'après toute explication, moi, drogue là, semblait le sous la torture. Ok. Il y a un contact la torture qui est le policier. BLTS qui dit drogue là soit dans tel bâtiment tel chaloupe. Vous comprenez? Combien kilo cocaïne? Ah mon cher Lampil, je parle de 32. Non, c'est responsable BLTS là. Je joins la Kali parce que 36 kilos. Non, c'est BLTS même qui sépare de la SDPJ. SDPJ va parler là, oui. BLTS, SDPJ service, oui, parce que BLTS est dans les SDPJ et chaque retranchement de département de SDPJ. C'est pas si non? Oui, mais responsable est en prison au Capri. Il est en prison au Capri. Et commissaire gouvernement, il dit pas. Non, je ne parle pas avec un commissaire gouvernement, j'ai eu l'après avion, l'après le Cap pour l'album de paix. Si nous sommes en prison, ouais, ben donc ça a son gros cause. Tout policier BLTS, yo, je sépare donc là, yo prend. En tout cas, moi-même, nous connais, moi-même, c'est ici. Est-ce que c'est vrai, commissaire gouvernement, yo arrêté commissaire gouvernement? Pas de commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement, dit, GI, dit comme ça, commissaire à plus aux États-Unis. Mais José. C'est responsable BLTS. Là, il dit commissaire à plus. À plus, États-Unis. C'est un parquet. Tout le monde est mélangé dans le bail d'Ogla. Son paquet est mélangé dans le bail d'Ogla. On a fait action ça, monsieur. Darimon, il faut nous prendre le téléphone. Mais là, relez-nous rapide, Darimon. Surtout nos affaires. Non, il y a tout le monde BLTS. Il y a riche. Il n'y a pas tout. Ma palo, d'après information, BLTS. Al point d'Ogla, yo séparé entre eux. BLTS badé, non d'où? Pendant qu'on a parlé à la DPS, BLTS. Alors, bon BLTS Grenoble, qui entre porte de paix, qui est arrêté, un paquet de policiers. Il y a là avec lui au Cap. France Lee au Cap, Guintan, à la commissariat, prend contact, parce qu'il faut de nous barrer information tout partout. Alors, on nous récapituler, c'est très important. Donc, bon question de bon scandale de drogue et qui passait pas de paix avec la torture. T'as un bateau qui sortit la torture avec drogue la donne et que BLTS t'a intercepté et que même agent BLTS a eu un débattement dans l'Ouest. Yo tout bien. Yo récupéré drogue là. Yo tout bien. Yo tout bien. Drogue là pas déplacé. Yo t'a récupéré drogue là. Donc, agent, en fait, BLTS n'a pas de plus qu'on a t'avoué. Arrêter agent BLTSA qui t'a pris une drogue là. Oui. Maintenant, il y a mené au commissariat à Cap-Haïtien. C'est ça l'information. Oui. Parce que, on va une coordination du Grand Nord. BLTS, on va faire Grand Nord. Oui. Okay. Parce que ça fait France Li. Dis-moi que l'IG est les responsables commissariat au Cap là. Qui okay. Dit ça, c'est pas eux-mêmes. C'est pas job par eux-mêmes. Ils apprennent, ils ont tant de bagailles là. Mais c'est pas eux-mêmes qui ont les responsabilités là. Donc, Bagay Negro qui était en prison au Cap. Donc, quand je parle avec Darimon matin, tout, c'est lui-même qui a essayé de jouer là. De même que nous avons des gens qui a dit nous, des gens de père qui a dit nous, qui nous, c'est de Bagay. Donc, si je ne parle pas de Darimon, je parle quand même aux gens porte de père là, qui au courant de Bagay là, qui a dit nous. mais monsieur, il a son gros causelier. Ouais. Donc en fait, l'information c'est que un scandale de drogue dans le moment là, donc on parle de paix. Qui sortit la torture, qui arrive donc on parle de paix, n'a parlé de près d'une trentaine de kilos de cocaïne. Que vous jouez un caillou grain de monde. Caillou grain de monde. Caillou grain de monde. Tu dois parler de cinquantaine. Tu dois parler de cinquantaine. Il y a plus tout, parce que quand il y a une belle tête, il y a une scandale. Tu dois parler de plaisir. Plaisir. Côté Alain. Côté Alain. Oui. Où est passé Alain? Qui est Alain? Ancien négatif. Matin, question de matin. Et allez rapidement. Allez. Alors, pendant que nous parlons de Père Isaïe, alors, nous t'ai parlé de l'hôpital et au Fatma dernièrement. Et justement, inauguration s'est faite le matin à tout en présence de l'ambassade Taïwan. Ok? Si tout est dit, son inauguration en Katimi, ni en bas, tab, ça. Mais inauguration, donc, il est arrivé faite
l'hôpital au Fatma, Port de Péa, il est inauguré, donc il est fonctionnel, le monde a parlé là. Nous avons fait ambassade et ambassade de Taïwan. Nous jouons nos cap toujours et qui tape monté descend. Fois si tape monté descend, puis il y a plus d'informations depuis au cap. Et sous question, policier BLTS est arrêté pour de Péa, au cap avec eux. Fois si. Bonjour, nous saluons Pierre Martin, nous saluons Louko Désir, nous saluons tout super branché, radio éclair, spécialement émission matin débat. Nous étions de la vie matin, depuis matin, nous avons fait la navette de la poutre des sons pour nous capables de jouer une bonne genre d'information des dossiers et drogues qui passent pour depuis. Nous capables de dire c'est une prisonnier, yo. Pas capable de manger. Prisonnier pas capable de pas capable de manger. Je vais pas prisonnier manger. Ça c'est un puis deuxièmement. Prisonnier pas capable de recevoir manger. Les parents prisonniers pour te manger pour yo. Non. Moun en fait monsieur dans ma penao pas recevoir manger pour prisonnier. Maintenant évasion qui fait là parce que depuis hier soir la gros du feu dans la prison civile Saint-Marc. Dans moment on a parlé à la parle avec deux trois moun Saint-Marc. La police encercle ville Saint-Marc. Des pour l'aide. Et attendez. Debout l'aide, ou bon 4 identités sous vous, y'a tout. Mon cher, t'as passé Louko. On t'a passé Louko. Ok, Louko, on t'a passé. Avant de se parler là. Ok, Louko, on va parler là, Louko. Avant de se parler. On me dit des détails. Yes. On me dit des détails. Ok. Alors, qui s'est passé? Bandit, yo. Yo prend là. Yo armé. Ok, non, Saint-Marc. Donc, là, c'est du feu qu'on a regardé qui dégaine. Donc, dans la prison civile. Donc, c'est Saint-Marc là. Donc, nous allons regarder avec le journaliste pour nous connaître. Qui ça qui dernier update yo. Mais quand même nous avons fait parler avec PDG Radio Tata monsieur Marc-Antoine Adolphe donc lui même sous question update yo. Robinson tu fais et comment nous y est? Nous en forme bien matin à tous, moi saluer et toute équipe là, tout panel là. Moi c'est quand même son plaisir. Et chaque fois nous avons l'occasion, nous avons une chance pour nous parler et surtout dans le cadre de formation en tant que journaliste. Et c'est vrai que il est triste et pour ça qu'il vit dans le moment, mais quand même en tant que journaliste obligé quand même de mettre nous à la disposition et puis des populations pour nous capables ici garder information ensemble. Moi salut tout le monde, Louko et Tijan et puis Pierre Martin à tout on en caille là. Robinson ça va là qui l'a commencé et je dis à qui peut que les connais là ça va là mon cher. Moi c'est hier jeudi hein, t'as eu une contestation beaucoup de prisonnier yo, ça veut dire que yo tape essayer et revendiquer sur question du bon traitement dans l'espace, dans le périmètre que même a fonctionné. Et parce que quand même, yo même entré en dans son carcéral là, yo tape essayer garder ça capable essayer yo capable joindre bon côté l'état ou bien quand même moun qui a dirigé prison civile Saint-Marc. Mais jodi an nous levé de très tôt, il était dans l'espace 7 et 6 heures à 7 heures et puis déclenchement va le fait dans 7 heures 15 parce que tu venir en pile cartouche. Qui t'a essayé dans le périmètre et prison civile, là, t'as gagné cartouche, mais pourtant, l'action est passée depuis 6 heures dans le matin déjà. Mais il y a un bagage qui vient sur update, n'a pas les jeunes aujourd'hui, parce que, quand on vit, il y a une autorité au niveau des cinéma qui est capable de bailler, qui est capable de bailler interview, mais quand même faire intervention sur ce qui est passé. Hein? Parce que, les gens qui sont dans la rue, il y a un total de 10, il y a un qui dit 15, il y a un qui dit 20. Mais dans le périmètre côté mieux, qu'on a parlé avec nous, là. Il y a des gens qui ont passé avec Sivia. Il y a 4 cadavres qui sont sortis en dedans pour mettre prison. Il y a 4 cadavres qui sont sortis. Nous allons identifier si c'est prisonnier ou bien si c'est la police. Mais les gens qui ont pris le cadavre ont retourné encore. Nous allons connaître si il y a l'autre objet qui va le faire. Si il y a l'autre objet qui va quand même, si il y a l'autre monde qui va sortir corps sans vie. Mais il y a 4 cadavres qui sont déjà sortis, qui sont en mort privé en dedans et commune. Et il y en a qui ont dit que c'est un peu comme ça. Même si c'est le gros désir en tant que négla Tibouni, tu as une bonne idée. Il y en a qui essaient d'attirer l'attention. Et évasion, comment le fait fait? Et là, même dans les mêmes autorités qui concernent, il y a des détails. Parce que il y a un mur qui montait, il y a une entrée principale. Et prison, il y a un dans l'entrée principale qui a un espace qui sépare en dehors de lui, qui barre la prison civile. C'est vrai que les 4 jours, il y a une action qui pose dans la prison civile qui va avoir accès avec l'église catholique. Là. Mais si on a frappé le mur, il faut bien que les gens qui vous tendez. Et même là, ce n'est pas ta mur, c'est ta scie avec ses scie ou bien avec scie à métaux, il faut bien que les gens qui t'ont essayé de tendre. Parce que moi-même là, je suis obligé de quitter l'espace en forme de questions.
et moun ki autorité yo, si nous avons les cas de Vincent comme et commissaire gouvernement, nous avons les cas de et juge Jean Chéri comme commissaire police, là on comme dans les mains que monsieur Sayo ba une explication sur ça qui passait dans prison civile Zemak là. Bon, question n'a posé ben monsieur Tandel avant même d'avancer plus. Alors maintenant sa situation qu'on y a, est-ce que prisonnier dans la rue, parce que nous apprenons que et avec nous parlons avec deux trois monde dans Saint-Marc, nous apprenons que la police t'a encerclé ville la net. Est-ce que la police quand même est arrivée et récupérée ou du moins c'est et arrêté ou du moins c'est et stoppé des prisonniers qui étaient dans la rue là. Nous apprenons tout que tu as un groupe de prisonniers qui lourdement armé qui investit la rue. Est-ce que jusqu'à présent donc situation même bien? Et jusqu'à présent, avec ces soupçons de raison qui cause, nous obligés quand même à rester sous affaire, à suivre. Et la police gère contrôle ville. Mais contrôle de bail des prisonniers, nous avons dit que bien parce que nous même faut étant nous qui est surprend et c'est justifié et tel les soupçons de prison qui ont arrêté. Et ni dans l'entrée ni dans sortie, ou bien capable dire rentrer sud, ou bien capable dire sortie nord, dans rentrer nord ou bien sortie sud et sortie nord, et ça veut dire soit sortie dans sud ou bien aller sur Gonaïve Lister. On prend ça comme sortie, mais on monde capable sortir Lister Gonaïve qui va rentrer Saint-Marc, moi ça comme rentrer. Ça veut dire la police en soi est encadrée, mettez exactement du contrôle. Et n'a tout profiter ici avec nous qui prend la surtout chauffeur taxi yo. Toujours mettre licence et pièce d'identification nous disponible automatiquement la police bloquée nous pour identifier normalement pour pas victime et par rapport avec ça qui passe ça qui arrive nous pas dans dossier ça l'engagé nous pas une pièce pour temps traiter de dossier pour n'a dit que monde qui sorti en cours qui sorti Verette et qui sorti Tirivière de la Tibonite qui bandi mettez dehors qui vient dans ville là on après la rue sorti avec pièce nous normalement pour pas victime parce que nous sorti dans telle zone pendant ce temps nous pas fait partie de groupe de monde qui a cherché. Mais n'a pas attendre que la police est en position pour gérer ça la gérer et n'a pas avec chaque citoyen qui a sorti avec pièce et pas sorti sin pas besoin. Eh bien, la question c'est lui qui va faire analyse donc dans deuxième et partie et sujet ça et la question maintenant est sur évasion, c'est vrai, donc il est clair que ils ont casé. À qui est-ce que vous pensez que, à qui groupe, à qui secteur, parce qu'on a telle évasion capable profitable? Bon, jusqu'à présent, il y a un nombre qui a même toujours mis pour ce qui sont ça. Et pour que ça. Alors, pourquoi tout ça? C'est parce que justement, depuis un certain temps, vous avez dans la presse, mais vous-même, vous êtes journaliste, donc dans la tribune également dans Saint-Marc, où est-ce qu'il y a plusieurs tentatives qui faites par M. Savigno, qui ont casé vos sondés, et objectif, c'était arriver. Investir Saint-Marc, ok, pour faire sentir ou non, pour retrouver M. Cabareo ensemble avec M. Akareo, et puis préoccuper les zones à net. Est-ce que là? Donc, alors c'est la logique, ça oui, que m'a regardé. À qui est-ce qu'on telle évasion capable de profiter? Est-ce que c'est pas avec M. Gangzayo? On l'a appelé, son bâti. Bonne occasion, tout. Liban mon occasion tout pour m'essayer faire une approche que me fait dans texte pour me dire que avec autorité et étatique qui trouve dans commune Saint-Marc ou bien dans ville Saint-Marc faut yo très réactif et prend pile précaution et pas parler non poser action et le coup désir que m'a tête à toutes et puis ti jambe pense qui dans caillant tout c'est maintenant Jean lié hein des possibilités au monde capable passer. Non, rentrer ville Saint-Marc. Parce que, bon, on périmètre qui débouche sur une zone que les Jérusalem, Calvary, sur le Cos. On peut penser au bloqué sur le portail Gap. Pendant ce temps, on a passé sur cette monde-là, elle est tombée, Jérusalem, et Jérusalem, on a accès directement à ville Saint-Marc. Ça veut dire que, si les gars sortent, ça vient là, ils prennent un moto, ou bien Fabien, ou bien dans la nuit, ils mettent les amis, ou bien quand même un groupe de monde qui a essayé de traverser, ils sont arrivés en dans périmètre là. Là on a espace ça, il y a un appel qui a fait, il y a un groupe qui a formé, il y a monde qui arrive rejoindre et mais si il y a monde qui a sorti soit dans nord et Saint-Marc pour entrer Saint-Marc mais il y a monde qui a sorti dans sud tout parce que il y a belle rentrée Saint-Marc on a capable de décider passer là-dedans ni passer dans zone 87 la sortie non blanc que là veut dire que ces zones stratégiques et bandits qu'on aime bien. L'État connaît tout, mais il faut que vous travaillez actif avec si vous formez dans le coin de ça. Les gens qui ont fait une main, ils ont fait une main, ils ont fait une main, ils ont fait une main.
et si on a raison à peine, nous avons l'action qui est opposée sur ces matchs. Ça veut dire que faut que l'État, il campe sous des pieds, on doit être très, ouais, j'aime peser sous lui, vigilant, et pour ces matchs, par exemple, en ville perdue ou bien en commune perdue. Eh bien, mais pour nous capables de capituler, donc là, nous n'avons pas un chiffre exact. De combien de prisonniers qui évadent, combien de monde qui mourent tous, est-ce que c'est APNA, est-ce que c'est policier, est-ce que c'est prisonnier, donc pour gagner un chiffre exact sur ça. Non, et si on a raison, comme dit nous, sur les nappes, parce que seulement nous, nous-mêmes, la présence, on est dans les 4 cadavres, ils ont dit. On voit les 4 cadavres qui sont sortis, qui ont fait non privé, nous pas qu'on ait quantité liée, nous pas qu'on si c'est APNA, nous pas qu'on si c'est policier, nous pas qu'on si c'est prisonnier. Jusqu'à présent, les chiffres, ils ont beaucoup exact. Mais nous avons essayé de suivre. Avec contrôle, vous me connaissez, est-ce que je suis combien lié? Moi, c'est quand même battre des bas, et puis radio éclair, tout le monde a souvent à bien, tout objet qui fait ça. Eh bien, merci un peu, monsieur Sifoua, merci un peu. Robinson, allô? Oui, m'la est. Alors, avant d'aller, nous avons une question pour vous, mais qui pas concerné exclusivement ça qui passe ce matin, soit en prison, mais plutôt. Et c'est un groupe gang, il y a quelques jours de cela, des amis, de plusieurs amis même qui t'ont écrit sur ça, qui t'a censé prendre naissance en bas de mon Saint-Marc. Et groupe gang, ça t'a un pile problème, t'a un pile problème sur la route là. Est-ce que, comment ça y est, Kounia, là, par rapport avec groupe gang, ça, qui t'a basé spécialement en bas de mon Saint-Marc, lors qui t'a vu là pour mettre tête pour sonder? Moi-même, je fais plusieurs entrées sorties. Je fais plusieurs entrées sorties. Je fais l'après-midi, je fais le matin, je fais le mi-temps-journée. Okay. Malheureusement, je ne fais pas face à ça, non. Je ne fais pas face à elle. Okay. Même pas à ignorer le tout, parce que si un jour tu baptises juif, l'un est là, si mon âme est des hommes, je ne vais pas blâmer ou pas caler. Robinson, je vais aller et chercher, je vais chercher, non, malheureusement. Et ou pas qu'à venir même t'es même non monde qui t'a la tête si pour ça oui mais même non en tout cas pas de problème n'a pas chercher informer plus pour nous et puis sous ta détail on va faire une connaître mais pas de problème merci en ville en forme tchè bella bon week-end bon et ben donc là et pendant nos semak et n'a pas appris que nous connaissons c'est monsieur André Paul Sylvius. Ok, André Paul Sylvius, donc monsieur fait le 1er décembre 1956, monsieur mouru le 11 août 2021. Donc c'est un grand entrepreneur, il a une maquette, il a un business dans Saint-Marc, donc tout le monde Saint-Marc en fait connaît monsieur André Sylvius. Et c'est un monde vraiment qui est très sympathique, tout le monde connaît. Et bien funérailles a chanté malheureusement donc, aux États-Unis d'Amérique, monde Saint-Marc, donc funérailles a chanté. Donc, dans First Asian Baptist Church, donc qui dans 4701 Lenox Boulevard Orlando et Florida 33811, donc dans date cap 23 août 2024. Donc, viewing a fait à 9h du matin et puis funérailles là a chanté donc à 10h du matin. Donc, cette annonce tient lieu d'invitation à toutes les familles et amis. Moun Saint-Marc qui est dans la zone Orlando, qui est dans Florida, qui est tout côté, qui te connaît donc André Sylvius, qui c'est un moun tout moun dans Saint-Marc, malheureusement qui est victime de yon AVC, et puis qui perdit la ville, qui mourit, donc dans yon l'hôpital, donc dans Orlando, et bien donc malheureusement, il n'est pas capable de fête dans Saint-Marc, mais en termes de fête dans Orlando, dans First Asian Baptist Church. Donc, dans 407, dans 4701 Lenox Boulevard de Orlando et FL 33811. Donc, c'est pour le 23 août 2024. Donc, vous tournez avec Anossa dans l'émission Matin Débat. Il y a quelques musiques qui fait pour monsieur Sylvius, qui est famille. Donc, on a salué. Alors, c'est propriétaire. Et puis, maintenant, tout, c'est propriétaire Gino Maquette, Maison des Cadeaux, Gino La Détente. Et donc ça c'est... Oui, 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 oui. Ah, ok. Oui, propriétaire Gino Maquette là, oui. Propriétaire Gino Maquette là. Alors, Gino Maquette. Gino Maquette dans Saint-Marc, donc André Sylvius, donc Kim Oui, Orlando. Et avant hier, donc final à chanter, donc dans Orlando le 23 août 2024. Donc, on a salué Gérald et Pasteur Victor Sylvius, Irvin Sylvius et Carl-Édouard Sylvius qui s'est formé. Et malheureusement, donc, il y a
et nos familles qui pas capable déplacer problème de visa et pour capable venir donc Florida et puis on capable participer donc on connaît tout le monde ça j'ai une maquette là j'ai une son maquette de référence pour Saint-Marc ah oui mais ça fait un braldo si tout le monde ça et problème pays à voir aller vite oui problème pays non monsieur font AVC monsieur font AVC et puis j'ai tout allé bien maintenant tout allé bon monsieur pas senti bien et Haïti tellement sous pression bandit qui a attaqué bandit qui a volé les Bali pression il passe en Sylvie et puis il rentre aux États-Unis. Il passe par la petite porte parce que pour traverser cabaret à Caire, problème. Et puis il prend avion, l'arrivée là, l'arrivée aux États-Unis. Eh bien, mon cher Bob Bamanti, M. Ferion AVC, M. Fonstroke, et puis M. Passe au vivre, et puis M. Tout aller. Donc malheureusement, M. Bob Katouna a été encore cadavre là, il a tout brandi, il a fait finir là, donc Hollande. Donc Gino Maquette, propriétaire là, c'est André Sylvieus, donc vraiment, tout le monde s'est mal comme monsieur. Bon. On a lu, demain matin, dossier de blog. Et le collègue, avant arriver, avant traverser, pour pas casser pied. Il faut peuple là, lui-même connaît, il y a des bagages, nous ne pouvons pas tolérer n'importe qui. Connectez le blog. Connectez pour vous faire. Le collègue, connectez pour prendre charge. Allez, on a le téléphone, nous allons charger. Le collègue, pour en charger le téléphone, monsieur Blanc. Le téléphone, nous allons charger. Pour en charger, monsieur Blanc. Et va ça le boss comme là en fait là seulement on parle nous connaissons ouais nous connaissons où qu'on est arrivé où qu'on est moi même des mbouké m'a dit mbouké parle m'pas qu'à comprendre vie retourner prison crasé bagarre l'auberge c'est là bagarre détail comme si la police a voyé voté pour grand merci vie retourner à arrêter monde et puis on a mon sauvé bon tout le problème la police depuis n'a pas arrêté monde qu'on est là mettre grand dans bouda nous faire ça de faire. Vive Muscadet! Bye Muscadet! Trust Muscadet! Louko! La mais... police! Depuis qu'il y a évidence! N'a ton monde! Muscadet! Muscadet! Parce que vous nous comprenons nos bagailles! Vous avez prison, hein? Mais pas qu'il y ait encore le pays d'Haïti! Prison, pas qu'il y ait encore le pays d'Haïti! Non, il va exister! Il va exister! Mais je suis sérieux, monsieur! Comme si, vous êtes tourné ou t'es des prisons crasées! Comme si ça passait comme un fait divers, comme si on vient tout notre en prison crasé. Et puis ça passe, et puis ça passe, et puis fini, oui. Nek de CPJO, pour travailler, qu'on est nek ça offert. La police nationale dans tout pays, a net, monsieur, pour les femmes qu'on est nek offert, pour marrer, on sait des vagabonds qui fait. Alors imagine, on nek a arrêté pour qu'à déjà les violons de Timoun, ou exemple, et puis qu'on est là. Nek sa fin viole ti moun sa, ti moun 13 ans, ou bien ti moun 12 ans, et puis jodi a la li de prison, et puis libéré, li pral continue viole moun encore. Li libéré tête li. Mon cher Bam Muscadet, lou connaissez, il faut payer pour l'autre niveau, faut que payer a changé. Hein? D'accord, bon. Il pas gare comme ça, monsieur. Viens tourner, vagabond fait ça, ou vle, depuis n'a connu que li de prison, li pral yon ou l'autre moun d'elle. Et ça que fait? Il n'y a pas arrêté très bientôt là. Ancien directeur général Franz LB. Continue là. Il n'y a pas arrêté, monsieur. C'est une grosse déclaration fait matin là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas arrêté Franz LB. Matin débat. Pour complicité avec évasion suivie de invasion dans la police, dans la prison civile de Port-au-Prince, pénitentiaire national, parce que il était gagné information. Et pour le vin par explication exactement devant la justice, ce qui base que Blende a été déplacé devant prison pénitentiaire nationale. Mais c'est une grosse déclaration. Son gros déclaration fait la matin. Il a pas arrêté LB. LB vient pour la répondre question devant la justice. Et Franz LB vient pour la répondre question devant la justice. Et pour qu'on ait les premiers ministres Terrelel et M. Boisvert et bas l'information que prison pour l'écraser. Qui s'est fait l'information? Franz LB. Et puis le directeur. Nous t'es bali là tout dans ma tête. Le directeur du renseignement. Responsable CROA, centre de renseignement. Non, il va bien. Il y aurait les bureaux ça, il y aurait les directions ça, et direction de renseignement de service et services généraux de la police nationale. Donc, tu as gagné information sous ça. Sous question évasion, tu prévois faite dans la prison civile pour le presse. Et qui prend le fait
dans la prison civile Kwale Bouquet. Aucune action pas menée pour t'empêcher que 5000 personnes, 5000 bandits, 5000 vagabonds, 5000 varipiers, dans la rue aujourd'hui là, viennent mettre sous sac gain là, dans le pays là. Hein? Lou Kolezi, Franz LB, il est pour la répondre à une question devant la justice très bientôt. Ok, pour ce gagnant, parquet qui travaille sur le dossier et qui ont juste l'instruction pour le désigner sur le dossier pour fixer les responsabilités parce que Franz LB a été informé que prison après le craser. Il n'y a pas une juge d'instruction. Ok, ah ouais. Prison après le craser et vous voyez à l'avance, LB te connaît prison après le craser. Pas qui s'est passé? Qui fait que prison crasée quand même. Pas joindre et juge instructeur pour mener enquête sur dossier ça. C'est youn, mais entre temps yo pas joindre dans qui maison de détention y a metté Franz LB parce que pas oublier bandi yo crase au paquet de prison et dans pays a journée jeudi a paquet de commissariat et puis autre chose. Moi ben ça pas étonné moi parce que me toujours dit ici à matin débat. Ce sont les bandits qui sont au pouvoir, monsieur. C'est bandi yo qui sont au pouvoir. Oui. Bandits les bandits sont au pouvoir. Yes. Écoutez, d'abord, si vous êtes autorité, faut qu'on agisse comme autorité. Si vous pas agir en tant que tel et que les bandits cap terroriser population ou rester et indifférent par rapport avec action ça yo, c'est parce que justement ou ces bandits au même type que ces bandits là. Sauf que différence là, nex ça yo, différence c'est que nex ça yo même, ce sont eux qui font le sale boulot. Oui. C'est au même qu'a fait. Oui, c'est au qu'a fait vieux job là. Mais on s'est bandi au même titre que eux même oui. Parce que d'ailleurs, yo bon m'pas dit bandi défi, m'pas dit nèg ça défi autorité. Nèg ça yo fait bagaille pour autorité yo monsieur. Appel payé pour Panette Daniel. Ça encore. Appel payé pour le journaliste de Regard FM Panette Daniel. Appel payé pour le directeur général Morin de Regard FM. Selon des sources concordantes, Monsieur Panette Daniel, journaliste de son état, t'a subi une arrestation de la part de la DCPJ parce qu'il t'a eu un gros âme dans le cadre d'opération que t'as mené dans l'hôtel et Kafouita. Monsieur Panette Daniel, Monsieur Morin, nous t'avons confirmé ou infirmé information si là. On va gagner le numéro Morin. Ok, et directeur général Morin. Bon, regardez pour moi. Ok, directeur général Morin et qui c'est directeur général et Regard FM. Faut que nous connaissions exactement qui ça va galayer. Ok. Parce que hier gros amou di vie. Et gros bagage qui passait. Le gros fanfan. Kafouita. Nous connaissons. Mette Morin. Est-ce qu'on connaît bagage ça? Voilà. J'ai ça mon code. Regardez pour s'il a répondu. Est-ce qu'on connaît bagage ça qui passait hier là? Dans Kafouita. Qui tout près de CPJ. Avant dans la faut il camper sur question Rita parce que lui dans point on a ah, OK. Il prend nous traiter question d'Oga. On aller. Et m'a dit un gros bonjour, un gros bonsoir à chaque gamin qui va regarder cette vidéo ça. Jeudi c'est vendredi 16 août 2024. Et m'a fait vidéo ça pour me parler avec mon solino. M'a fait vidéo ça pour me parler avec peuple haïtien. Mon qui pas manquer chromosome yo et mon qui pas tendre, mon qui a voyé monter, mon qui toujours a chercher qu'on la vérité yo. Et vidéo ça est pour nous lier. Et mon solino m'en parle avec nous parce que m'entendé on est qui t'a blablabla sur radio et m'en parle avec nous. La vie mon compte en pile. La vie mon grand pile importance. Et je dis à moi-même dit mes chéris c'est barbecue. M'pas ka prendre la vie mon pour m'en faire capital politique avec et que pour moi capable de moyen pour me vivre. OK. Et ça va passer Solino nous connaît très bien. Et que c'est propre nèg Solino qui met Solino dans sa lire. En pile de blousaille pété dans Solino hier jeudi qui était 15 d'août 2024 là Jimmy Cherizier aka barbecue ancien policier a décidé mettre et bien on dividal vérité de yo qui ça qui t'est passé au
au niveau de Solino, mes chers amis, la famille, depuis environ 72 heures de temps, coup de balle a pété tant couloco sans arrêter. Moun nan Solino obligé quitter la caillou, gagné qui obligé et courir avec rad sous podo yo pied à terre pour aller prendre refuge dans l'autre zone. Barbecue vini, li bay yon parti nan vérité ya et gen policier les envoyé yo nan opération. Yo bay yo yon caisse ou bien deux caisses balles pour capable né opération nettoyer zone côté opération a fait là monsieur fait coutaille nan balio monsieur et eh bien yo prend balle si la yo olié yo pété coup de balle yo démenti bilé bandi yo retiré bandi côté bandi ayé ya yo préféré 24 si la yo avec nèg ki nan ghetto barbecue obligé parler parole là matin vendredi 16 d'août 2024 là mes chers amis la famille gaisé dans la république barbecue campé en mode lamé barbecue campé en mode l'estomac caton l'estomac glissé li pa kembe anyen m'pral bon tout détail m'pral expliquer ça qui t'a passé dans Solino pendant environ 72 heures de temps en pile cartouche a pété même gagné policier qui tombé dans cadre attaque là tant moi là m'a vini yon lot bon gagné mes chers amis la famille Jean-Tel Joseph li même qui c'est et bien leader réveil national li mandé avec PM Gariconi pour retirer coltan prix s'il vous plaît dans tête pays a mettez clé primature là en bas porte là pour lui tant prix s'il vous plaît pas faire faire ni sic ni sel ni tension pas quitter colel montel mettez clé à pour lui en bas et bien porte là sinon et bien gagne PM Gariconi qui capable ouais 17 couleurs l'arc-en-ciel yo l'autre bois gagne militant et bien anti manifestant et porte parole là ria qui rele Gerline Morissette qui dit un paquet de bonnes bêtises sous dos et bien Gariconi lui explique le bail détail Gerline Morissette pape pièce moun madame ça de l'âge pi mal passé là yé nous déjà conseillé mettez casse si vous attendez émission ça parce que Gerline Morissette li la gueule sans filtre des dos Gariconi pral guerrel dans la république cahier mobilisation li déjà lancé mes chers amis la famille gen tout et bien on dit commissaire gouvernement paquet Miraguana qui c'est Jean Ernest Muscadet monsieur Sila li décide tout bon vrai pour camper en face et bien tout bandit tout nèg qui dit yo décide de rentrer dans et bien département dernier plan même gentil graisse et bien qui c'est chef gang team 103 zombie qui établit quartier général li au niveau de Gressier rentrer sud capitale là li te déclaré en bral faut tendez que li gagne pour attaquer commune pour attaquer département Nipeya spécialement dans Miraguane côté commissaire Jean Ernest Muscadé lui-même l'a dirigé. Commissaire regardez, li mettait genou à terre, li levé main droite li en l'air, li sémenté sous maman mon papa qui au cassé cool monsieur sacré tigresse là. Li même qu'a dirigé base 103 zombia même pour blague, li pas capable river. S'il t'a endormi, il t'a font rêve. Li ouais, c'est machine li monter ya. C'est Miraguane li pralé avec lui, faut qu'il courir lever Baidel droite ou y rentrer en bas on de l'eau bien glacé et puis mander un tasse café bien chaud pour qu'à réveiller monsieur ya li pap jam oué et bien lui même qui pral diriger Miraguane Jean commissaire Muscadet dia li tout baigné tout poudré pour team ascenseur li tout baigné tout poudré pour team 103 zombie li tout baigné tout poudré pour team monsieur vivre ensemble d'ailleurs gagne un péché yo soit dit Jean péché selon sa commissaire Muscadet li fait connait qui t'a et bien lagué en audio dans la rue comme quoi li t'a ouais monsieur yo monsieur lagué yo pas dit rien commissaire a dit mai gwen a volé nous pas compte sac mal sac femelle si monsieur lagué yo quitté
pour venir et bien ici là pour venir porter nouvelle aller si ou pas parmi yo connaît ou c'est ou nan nèg là qui et bien pour nous paix faut nous méfier nous méfier nous de où commissaire Muscadé mandé monsieur lundi cap vin là bonnet avant même mes chers amis la famille coq chanté avant soleil taille banda tant pris souple vin chita tani douvant porte paquet a li bay monsieur 10h pile mes chers amis la famille pour li vin chita tani douvant porte paquet a si monsieur intelligent selon ça commissaire Muscadé fait connait faut monsieur ta déjà chita devant paquet a à 6h du matin sinon si commissaire Muscadé rivé avant tout ça nan paquet miraguan nan li pa wè monsieur fait acte de présence maman petite pral maré vente maman petite mes chers amis la famille pral tande réel kay makowel commissaire Jean NS Muscadé li tan konnèg ki manje gèp commissaire Muscadé tan konnèg ki manje palette lion commissaire Muscadé li campé sou gèt net du mes chers amis la famille sa gen nan lòj sa t'a passé au niveau de Solino ki la cause matin la bien bonheur pour eh bien monsieur Sila Jimmy Cherizier et que e barbecue dat nou pa tande mouché a dat nou pa tande chef révolution entre parenthèses là dak nous pas tande chef vivant ensemble non gen longtemps monsieur ça il était fond calme down il était rentré et bien dans coquili et bien il semblait main green lion il sorti dans la rue bon détail pour m'expliquer nous ça gagné environ 3 jours depuis coup de balle a pété au niveau de Solino sans arrêter. L'aime dit sans arrêter, c'est sans arrêter, mes chers amis la famille. C'est presque Mgadzou, son zone qui est en construction, c'est de temps en temps, des camions gravier, des camions blocs, des camions wash, des camions sable, des boss qui a décloué feuille-tol au niveau de Solino pour tellement coup de balle à péter, coup de balle fait mi-calao, et bien en pile moun te obligé quitter zone. Moi j'ai dit en pile moun basi tout kounya ou a poser une question. Pour qui ça si coup de balle ça va péter c'est pas tout le monde qui quitte zone non mais c'est en pile monde retetan ma bonne information selon ça m'gien comme détail ça t'a passé dans Solino c'est une première attaque que ti monsieur Solino yo fait sous et bien Bel Air tendez bien côté Kempes a dirigé donc étant donné que dès quelque temps Kempes empêché au manger yo dit a empêché Kempes fait l'autre là. Il y a quelque temps Kempes a bayo kembe yon bois di fe nan men yo yo di fòk yo voye de l'eau sou bois di fe sa mais bataille qui commence entre Kempes ak Solino et puis Badel ma vin pran la dan nan son bataille qui date depuis et bien des temps mais après yo fin mette Ariel Henry nan campé loin monsieur a chercher côté pour yo passer pour al tomber et bien jusqu'à fou aéroport pour attaquer route de l'aéroport autoroute de Delma moun andan Solino yo di ke yo pa bay bandi yo pa bay volé yo pa bay chimè côté pour yo passer pour al boule écraser business moun si yo besoin bay et bien quand écraser business moun écraser affaire moun boule affaire moun ke et bien monsieur yo passer sous la rue yo gérer ça a gérer ya. Pour qui ça monsieur pas passer sous la rue d'après ou même qui te m'dou bien gagné base Simoa qui trouvait l'an Delma 2. Basi là, li toujours gagné yon 2-3 chars blindés ou du moins yon 2-3 véhicules blindés qui fait aller vini dans zone nan. À chaque fois si monsieur yo tente met tête yo de yo pour attaquer autoroute de Delma, yo souvent croisé avec maman Pimba, yo souvent croisé avec maître yo qui c'est et bien véhicule blindé ça qui souvent gagné et bien des policiers en donne soit Simo ou bien Utag ou du moins Udmo. À chaque fois monsieur mette tête yo d'ailleurs, yo toujours prend balle tête. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Mais si l'équipe la perdit, nous obligé changer stratégie. Si l'équipe la perdit chaque match qu'il joue, nous obligé changer coach. Et s'il le faut, changer attaquant, changer milieu de terrain, changer défenseur. Tenez bien. Si bon, ouais, si regardez, si c'est toute équipe la net pour nous changer, n'a pas changé. Barbecue comme goût, stratège. Barbecue comme nec, et bien qui c'est tête pensante là. Lui dit, étant donné que
nous te kon al pote Solino konkou et pas pot ko gagner vivre ensemble. Là t'a pété coup de balle avec Kempes. N'a passé par Solino par Delma 18 pour n'al tomber kafa au port et les ça n'a contourné Charla. C'était bien compté mal calculé. C'était bien compté mal calculé pour Jimmy Cherizier et que barbecue. Et bien qui t'aime dit nous, dit deux trois so-